Belherbe, 600 habitants, un petit village du plateau de Mèche avec son groupe scolaire. Mais à la rentrée 2019, une classe restera vide, décision de la direction d'académie. Pour protester contre cette fermeture de classe, les parents ont décidé d'occuper l'école. Ici, c'était une classe de 22 élèves. On a voulu montrer ce que ce serait d'avoir une classe de 34 élèves. Vous avez déménagé. Voilà, donc on a déménagé les tables, tous dans cette classe, quoi. Ça montre quoi ? Que les élèves vont être trop serrés, hein, et que les institutrices pourront moins bien travailler. 34 en CM2 et 31 en CE2 et CM1. Des effectifs inacceptables pour ses parents. Le poste d'une enseignante sera également supprimé. 3 élèves manqueraient à l'appel pour maintenir les 8 classes. En sachant que notre école est toute neuve, hein, ça fait un an et demi que nos enfants ont pris les locaux. Donc gros investissement pour une classe qui va rester fermée, inutilisée, quoi. Dans la ruralité aussi, il y a des difficultés scolaires. Faut pas croire que parce qu'on habite dans les campagnes, tout se passe bien, quoi. Les parents d'élèves ont prévu de renouveler leur action demain, jour où l'inspection est attendue sur place. Dans le Doubs, 2 autres écoles perdront une classe à la rentrée.